Depuis que tu m'as quitté, ma vie est monotone. Tu sais où me trouver, je t'en prie, téléphone. Sois pas cruel, ce cœur est à toi. On a répété déjà hier avec Bruno, toute l'équipe de Bruno et celle de Cocoon. Et c'est bien, déjà on mélange les deux équipes, un peu comme l'album, on mélange les deux univers et je trouve que le mélange fonctionne hyper bien, notamment sur la reprise avec Elvis et puis même le single Feu de joie. Donc une sensation vraiment on a tout le temps envie de se marrer et de rigoler. Pas mal si c'est Paul qui fait le 1, 2, 3, 4, non? Mais tu l'as très bien fait. Ouais, mais là, c'est un peu à l'amiable quand même. D'accord. Et on se regarde et je le lance si tu préfères. Ah, c'est cool, ouais. Donc c'est toi qui fais le. Avec plaisir. On est devenus vraiment copains. Et malgré notre univers complètement différent à la base, le fait qu'il m'ait proposé de réaliser le disque, ça m'a déjà très, très touché. Et puis, je me suis éclaté à le faire parce que j'avais carte blanche. Vu qu'on est vraiment. Il voulait vraiment ce son-là, ce son Cocoon. Donc on a vraiment. Vraiment, c'était super. Il manque dans le texte, après Don't Be Cruel to a Heart That's True, Bruno qui doit refaire Sois pas cruel. Il manque cette phrase. Ce cœur est à toi. Et après, et après les deux ensemble. Ok. On se la refait une fois ? Faudrait que tu te l'écris peut-être. Ouais. Je chante qu'en anglais, a priori, pour l'instant, et c'est vraiment une ligne éditoriale que je veux garder. Et lui, il chante qu'en français. Et là, on cherchait des reprises où il y avait les deux langues. Et en fait, on s'est dit, toutes les chansons des yéyés des années 60, La route de Memphis, Don't be cruel, sois pas cruel. On a trouvé une vingtaine en fait, il y en a des tonnes, des trucs qui ont été traduits. Plus ou moins bien d'ailleurs, la traduction sois pas cruel est un peu chaude. Mais elle, du coup ça la rend touchante, ça la rend hyper naïve. Et alors que par exemple on avait voulu reprendre au début l'Amérique de Joe Dassin, qui est une reprise de Yellow River, où là c'est la version anglaise qui est moins bonne que la version française à mes yeux. Donc on a un peu, et puis c'est celle-là qui a gagné quoi. Rob Carter. Yeah.